La collecte complémentaire d'encombrants dans les quartiers politiques villes de Manosque a démarré en juin. Elle a pour l'instant lieu dans une résidence sociale et dans une copropriété privée, La Colette. Je suis Madame Biro, je suis gestionnaire de copropriété à l'agence Bassane et Lille Étoile et je gère plusieurs copropriétés, dont La Colette à Manosque. Il est vrai que nous avons des retours positifs de nos propriétaires occupants qui constatent qu'il y a moins d'amoncellement des déchets, d'ordures et d'encombrants. À Manosque, dans les quartiers, on a des déchets, des encombrants qui viennent s'accumuler, mais aussi malheureusement des déchets de plus petite taille qui sont abandonnés. Donc les salariés qui vont effectuer cette collecte vont avoir un rôle aussi plus large puisqu'ils vont être là aussi pour sensibiliser les gens qu'ils vont rencontrer, les sensibiliser au problème des déchets, leur expliquer l'importance de cette collecte, que vont devenir ces encombrants et pourquoi il est important de pouvoir gérer nos déchets au quotidien aujourd'hui. Sur du long terme, ça sera positif. Plus verront que leurs espaces sont propres et plus ils auront envie d'entretenir. La collecte des encombrants n'est qu'une partie du projet. Ce projet porte aussi une dimension de sensibilisation des habitants et la mise en place d'ateliers de réparation. On va petit à petit dans tous les quartiers essayer de prendre conscience de ce problème des déchets, pouvoir y remédier et pouvoir vivre dans un quartier plus agréable pour tous.